Bien, épilogue de The Witcher 3, plus giveaway de la chaîne, plus annonce, plus Rage Winch. C'est une vidéo magnifique qui vous attend là. Et ce que je vous propose, c'est de voir mon visage. Hein, voilà. Bonjour. On va commencer par le giveaway. Vous avez vu, il fait noir, j'ai pas mis l'éclairage. Dans la liste en dessous de la vidéo, il va y avoir une liste de donjons. Vous pouvez prendre jusqu'à 3 donjons. Vous pouvez prendre jusqu'à 2, 3 fois le même, c'est pas le problème. 3 donjons par personne. Vous mettez un pouce bleu, vous mettez ça dans les commentaires, vous vous abonnez à la chaîne. Je ne prendrai pas les gens qui ne sont pas abonnés, je ne prendrai pas les gens qui n'ont pas permis un pouce bleu. Vous gagnez, vous faites les 3 donjons que vous avez demandé ce week-end, samedi ou dimanche, sur demande, sur MP. Je me débrouille pour vous trouver du temps dans la journée. Le tirage se fait vendredi à 18h sur Twitter, donc suivez-moi sur Twitter aussi. Ensuite, une fois que ce giveaway est expliqué, je vais faire une série The Witcher 3 quand même, malgré le fait que c'était très mitigé. Il y avait quand même plus de pouces bleus que de pouces rouges en soi. Mais elle ne remplacera en aucun cas les vidéos d'Ofus. C'est-à-dire qu'il sortira un épisode de The Witcher 3 quand je n'aurai, je pense, à mon avis, pas l'intérêt de vous sortir une vidéo d'Ofus. Parce que je considérerais qu'elle sera forcément de mauvaise qualité parce qu'il y aura soit trop peu à dire, soit trop peu à montrer, soit trop peu à faire. Il arrive la vidéo du crocabulaire, il faut juste que je l'extrais du stream. Malheureusement, YouTube ne veut pas me laisser télécharger ma vidéo parce qu'elle fait 6 heures. Normal, c'était le stream entier. Donc il faut que je voie pour sortir le crocabulaire, à vous le faire. Quelqu'un me fait les miniatures, merci beaucoup à Anthony Rock qui me fait énormément de miniatures. Grâce à lui, la chaîne va retrouver un coup de neuf. C'est très remerciable, vous pouvez le remercier dans les commentaires, ça fait plaisir. Et ensuite, on va avoir... donc après cet épisode, ce petit giveaway et ce remerciement à Anthony, un petit coup de gueule. Alors je vais vous le lire. En gros, hier, je viens en live, il y a 10 personnes et je passe commentaire, 10 personnes, donc là on ne rit plus. Flynn a ragé et m'a dit de me casser, m'a banni. Tu manques de sens de l'humour, mon gars, t'es un gogol. Tu veux, quand t'arrives dans un stream et que tu me parles comme si j'étais ton frère depuis 10 ans... Bon, déjà ça me fait titiller, mais en plus si c'est pour mettre un taunt, tu comprends que je vais pas prendre le risque d'avoir un... Enfin, je passe pas mon temps, je préfère couper directement la conversation. Tu serais venu me voir en me disant, tu m'as banni alors que je voulais déconner, je me serais excusé. Et je t'aurais dit, bon, erreur de ma part, ça peut arriver qu'on bannisse des gens de façon un peu trop rapide. Le problème c'est non pas seulement tu me traites de gogol, pose-toi des questions pour pourquoi t'as des pouces rouges aussi, le seul pouce bleu que t'auras c'est celui que tu te fous dans le cul. Sauf que là j'ai plus vraiment envie de m'excuser, j'ai envie de te dire d'aller te faire foutre. Si tu te comportes comme ça dès que t'es frustré à propos de moi, bah c'est que peut-être t'as pas spécialement envie que je porte de l'intérêt à tes commentaires et autres, puisque si quand je dis un truc qui te plaît pas ou je fais un truc qui te plaît pas, tu m'insultes, bah c'est que t'as pas envie de rester sur la chaîne. Donc oui, je vais masquer tes commentaires, personne ne les verra sur la chaîne, voilà. Moi, je pourrais, si je te démasque, les voir, les lire. J'y porterai pas spécialement d'intérêt. Tu comprendras pourquoi. Et parmi les 7340 utilisateurs français qui s'appellent PortGazDias, malheureusement, je crois que tu es le seul que j'ai banni de la chaîne. Donc, voilà, quand vous venez en stream, que ce soit le stream de Arma Team, 3000 viewers, le stream de Millennium, le stream de Gaming, ou le stream de Flynn Winch, que ce soit un petit stream comme le mien ou un gros stream, et que vous arrivez et que vous dites bonjour à la personne qui stream avec des taunts et en lui parlant comme si vous étiez des meilleurs potes, forcément, bah, vous pouvez comprendre qu'il y a une certaine méfiance qui se crée ou ce genre de choses. Donc, ça peut être parfois compliqué. Ouais. Donc, il y a des gens, effectivement, qui apprécient pas le fait que je pose mes couilles sur la table et que je fasse des coups de gueule. Et que je gueule sur des trucs qui me plaisent pas. Mais sauf que le truc, c'est qu'on est dans la liberté d'expression, que je joue à un MMO avec une communauté et que je préfère envoyer chier les gens qui me font chier que leur laisser sucer la bite pour des pouces bleus. Et si ces gens veulent s'abonner à la chaîne et mettre un pouce rouge à chaque fois qu'ils viennent sur la vidéo, qu'ils le fassent. Ça m'empêchera pas de continuer à faire des vidéos, continuer à être référencé de plus en plus haut, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui posent des pouces bleus. Et je sais que ces gens-là, les gens qui posent des vrais commentaires, qui même s'ils ne sont pas d'accord, et ils ne sont pas bannis parce qu'ils ne sont pas d'accord, même les gens qui sont contre ce que je dis, mais qui le font avec une argumentation sensée, aucune insulte surtout même, surtout sensée ou pas sensée, aucune insulte, et qui viennent le dire parce que ça leur importe de le dire, de donner leur avis, et ben ils font comme moi, ça leur importe de donner leur avis. Donc il n'y a aucune raison qu'ils soient bannis de la chaîne. Que toi, si tu viens, et que tu me prends de haut, et que en plus, tu m'insultes derrière, ben il y a de bonnes raisons que tu sois banni de la chaîne. Et c'est triste, voilà. Donc cette vidéo est valable pour toutes les personnes qui sont bannies de la chaîne, qui viennent mettre des pouces rouges. Continuez si vous avez envie. Il y a toujours des gens pour mettre des pouces bleus, rassurez-vous, pour équilibrer.
Et la chaîne ne meurt pas. Et je continuerai de faire des vidéos parce que votre avis de personne, de petite mesure, qui insulte, ne m'intéresse pas. Et vous avez vu, je l'ai fait avec un rage winch calme, qui n'est pas du tout calme. Voilà. Et bien sûr, alors, dans la modération, j'ai dû rajouter des mots, y compris dans les mots, j'ai rajouté par rapport à la publicité en stream, puisqu'il y a beaucoup de gens, apparemment, qui font de la publicité sur les streams des autres. Et de temps en temps, ça tombe sur le mien. Donc, bon, c'est pas agréable d'avoir quelqu'un qui vient sur ton stream, qui ouvre la fenêtre, qui fait un CTRL-C, CTRL-V, qui ferme la fenêtre et qui passe à un autre stream. Je signale ces chaînes-là et je vous invite à faire de même. Vous signalez les chaînes qui font de la publicité pour d'autres chaînes pendant les streams de n'importe quel YouTuber que vous regardez. Et il y a un bouton de signalement pour ça, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Rage Winch. Moi ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on a posé les couilles sur la table, ne vous embêtez pas à mettre des commentaires par rapport à ça et tout. On va se faire un tout petit peu de Questa sur The Witcher, puisqu'on va parler donc de cet épilogue. Je vais me faire cette série vraiment. Je tiens encore à rassurer et à pousser. Je sais que les gens n'écoutent pas toujours les vidéos en entier autres. Je ne vais pas remplacer les vidéos d'Ofus. Hein. C'est absolument pas le cas. C'est absolument. Ce serait contraire à mes principes que de passer de d'Ofus à The Witcher 3. C'est vraiment pour mettre des vidéos quand il n'y a rien à mettre. Et en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai beau fouillé. J'ai fait à peu près tous les tutoriels que j'étais capable de vous faire qui ne me prenaient pas trop de temps à faire. Et je me suis dit, bah, c'est le temps pour poser quelques bases et d'ailleurs un premier giveaway. Donc voilà, je pense que c'était le moment de poser un premier giveaway. Ça fait un moment que j'en avais parlé du coup. Ce giveaway, ça me semble important. Voici une demande de... Voilà. Et j'aimerais vérifier quelque chose ici. Bonjour. J'espère que... Oui, bon, j'avance. Moi, ce que je voulais, c'est que tu me fabriques quelque chose. Puis-je vous passer... Donc voilà, le référencement, tout ça des vidéos, ça me... Ça va venir, vous inquiétez pas. Les giveaways, ça me semblait important pour arriver à enfin faire plaisir à des gens qui attendaient quand même depuis un moment. Il manque un foie de monstre depuis un moment, hein. Ça m'embête un peu. Hein. Il manque 4500 gold et un foie de monstre. Et je ne sais pas où trouver ce foie de monstre. Au revoir. Bonne chance. Je sais que j'ai dû le vendre à un commerçant ou autre, mais c'est pas ça qui m'inquiète. C'est ça doit se dropper sur un monstre. Évidemment, c'est un foie de monstre, mais. Ce que je veux faire, c'est terminer, genre, la dernière armure du jeu, en fait. Et après, on recommence ma partie du début. Voilà. Je veux... Il a essayé de me frapper, là. Dégagez-vous. Ah. L'air d'ici protège de la gueule de bois dans un pays du vin, tu m'étonnes. En fait, c'est pas l'air qui protège, c'est genre l'air est une gueule de bois elle-même. Je renforce que les gens respirent sa gueule de bois. Donc il me faut des monstres. Il me faut des monstres qui me lâchent un foie et si possible un peu de trésor. Alors j'ai plein de trucs à vendre donc c'est pas un problème mais je suis un peu embêté. Après de l'or je peux en avoir au Gwent. Là oui il y avait une cage de monstres. On va voir ce qu'il y a dans la cage de monstres. Je pense que je finirai pas. Que si la vidéo arrive à 15-20 minutes je couperai parce que genre. Y'a pas besoin de faire des vidéos de 30 minutes. Il doit y avoir un autre endroit pour monter en fait. Ou alors faut passer par le. Par là, faut sauter. On va voir un peu. Ok, ça a raté. Je vais aller un peu vite aussi. Il y a un corps ici, on voit. Hein, donc je suppose que le corps n'est pas tombé de nulle part. Il a été attaqué par les iconomorphes. Il y en avait dans la grotte des iconomorphes, mais c'est pas. Pas ce qui m'inquiète. C'est bon, c'est passé. Donc le coffre. Avec la clé tout moche. Et ce qui m'intéresse, c'est le corps, évidemment. Ah! Alors, déjà, le corps est gavé d'objets, c'est une bonne nouvelle. Gustave, notre dernier rendez-vous, l'idée de te revoir me transporte d'allégresse. Tu m'as demandé s'il y avait une chose que j'aimais toujours plus. Hein. Toujours apprécier les fleurs. Ah, quand je t'imagine toi donnant aussi pour me cueillir un bouquet des mains puissantes, Joker Symbol. Tu m'as emporté ces fleurs, je t'en trouve plus mauvaisement. Bon, elle l'a envoyé dans une grotte avec des fleurs, effectivement, mais pas les bonnes, quoi. Bravo! Et t'y es allé, gros Nigo? Et t'es mouru surtout. Ah, attendez, il y avait un passage. Oh! Un passage. Donc évidemment il me manque 4500 d'or et le foie de monstre, alors c'est un peu chiant évidemment. Je ronchonne sur le foie de monstre mais c'est très embêtant. Sort de drops parce que
Il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut drop. Enfin, c'est pas marqué que c'est là ou là. Donc, et c'est tout. C'était un retour vers là. D'accord. Donc, c'est fait. Ça a été exploré. Super. Ensuite. On y aura sûrement des coupures dans cette vidéo, évidemment. Ça dure assez longtemps pour terminer l'armure du chat. Ah, il y aura sûrement un camp de noyeurs ici. Enfin, comme j'ai dit, il y a très peu de noyeurs dans cette zone-là. Donc, j'ai fait le tour de tous les foies de monstres que je pouvais avoir en ce moment, ça m'embête un peu. Faut que je fasse le tour des marchands pour voir à qui je l'ai vendu le fois précédent, mais il y en avoir un quelque part, hein. C'est pas impossible que ça tombe. Montre-moi où je vais par là. Qu'est-ce qu'il y a? Un camp. Ou encore un camp de bandits, évidemment, il y a que ça. Ah non, une panthère, bon. C'est pas un monstre, donc. Balek. C'est tout ce que tu sais faire. Allez, ça vire. De toute façon. Coffre. Une quête évidemment qui traîne. Attends, ça. Tablette. Ah, y a plein de quêtes qui traînent sur des points comme ça. Le principe est simple, c'est vous trouver une zone comme ça, un point, un lieu de non découvert, et ça vous mène vers un autre lieu de non découvert avec un trésor ou ouvert des PNJ, etc. Oh, des noyeurs. Alors ça drop des fois de monstres. Ça doit être les derniers noyeurs de tout le jeu, là. Tellement massacré ces trucs. Ouais, c'est particulièrement de la merde, hein. Je vous ai dit, juste avant. Cerveau de noyeur, non. Cerveau non plus. Allez, c'est pas parce que j'ai des membres qu'il n'y a pas de foie, là. Ah, putain, pas de foie. Ah, c'est moi qui ai les foies, putain! C'est bien, Ablette. Là, je suis rien, Miss. Effectivement, le logiciel a un peu de mal, je comprends pas d'où ça vient. Pas de lag sur mon écran en jeu par rapport à ce que je vois sur le logiciel à droite. C'est dommage. Ok, alors ça, c'est pas du foie, par contre, c'est de l'argent. Le spectre, ça drop plein de choses. Trop de spectre, on va dire. Allez, pose-le. Ouais, alors les spectres, ça déconne beaucoup moins. Ça y est. Ah putain, j'ai horreur de ces mobs. C'est très très fort les specs en soi. Eh ben, c'est un cimetière indien ici. Incroyable. Oh, on traverse la rivière, t'as loupé le pont, c'est pas grave. Oh là, t'es chiante! Plette! Ah, on va juste à côté en plus, là. Poids de blessure. Et enfin, ça dépend pour qui. Brumelin. Paris ouvert, Brumelin. Ça pue le Brumelin. Tu sens. Enfin, tu sens pas vraiment le Brumelin parce que ça passe d'odeur, mais. Ça pue le Brumelin. Le Brumelin, ça lâche des. Évidemment, ah, une grotte. Oula, mon Brumelin, loup. Bon, loup, on s'en bat les couilles. C'est vert, saleté. Voilà. Ah, ouais, en général, à ce moment-là, quand je suis loup alpha, faut tout se casser, hein.
Ok, alors là, c'est pas un loup en dessous, c'est autre chose, mais Ok, on va avoir peut-être du foie là-dedans, du coup. On va sortir les pains en avant, par contre, parce que ça pue le... S'il y a des loups dans une grotte de monstres, c'est que... Il y a un loup alpha. Ils arrivent, ils m'ont repéré. Je pense qu'un peu plus bas là-bas, on devrait avoir un loup-garou. Rarement, malheureusement, c'est... Et... Chien... Un loup-garou ou des bandits, hein. Alors peut-être autre chose, on va voir. Pas terminé. Et pas terminé. Il n'y a pas vraiment beaucoup de monstres qui peuvent me prendre par surprise. C'est là-bas, hein, ce qu'on cherche, regardez. Hein. On voit. Évidemment, des stocks de provisions, beaucoup de choses, câble d'acier, on a senti là. Allez, montre-toi au viewer. Donc clairement des reniflements comme ça et tout, c'est un loup-garou. C'est assez rare comme mob, j'ai de la chance. Ah non, je suis... Qu'est-ce que je vous disais? Alors lui il lâche des fois. Hein. Il a perdu la tête. Oh il a lâché un foie de loup-garou. Oh j'y crois pas. Oh là 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 là. Oh je suis content. Hein, il a lâché un foie. Hein. Yes, yes, yes. Bon, il bouffait de la brebis. C'est pas un méchant loup-garou, c'est un pauvre loup-garou qu'on a tripé du coup. Pas de famille, pas d'amis, pas de stock secret. C'est un loup-garou de la basilique. Hein. C'est un peu... D'accord, il y avait sûrement des choses à lire. Ceinture d'armure rouge dont on se bat complètement les couilles. D'accord, il dort ici, je suppose que... Pas mal de Gisèle Durette. Ça y est, la comtesse de Sacor a acheté la ferme Bazane après tant d'années de bonheur, nous m'ont quitté de rien. Hubert a reçu, il s'est rendu furieux qu'il m'a fallu beaucoup de vin. J'ai eu une chance, nous avons pu vivre aussi longtemps parmi les hommes. Ils ne parviennent pas à contrôler ses transformations. Une grotte du bois de blessure. Allez, une table de jus, la potion n'est pas si terrible, la grotte est un peu humide, c'est vrai. Père a piqué une crise quand il m'a entendu tousser, il a crié qu'il retourne à la ferme planter ses dents dans la comtesse. Hubert a disparu, je terrifie, mon corps est par confusion, j'ai un goût de sang dans la bouche, je crains qu'Hubert soit parti tuer. Que devons-nous? Nous en avons-nous s'il perd le contrôle, les pages restantes ont été arrachées, les marques de griffes. D'accord, donc j'ai tué elle. Ah! C'était Gisèle, ça. C'est Gisèle qui mangeait un mouton pour son repas. C'est les loups que j'ai tués. On va pouvoir remonter par là. Je me demande juste si le Uber en question a été chopé ou pas dans une autre quête. Je n'en sais rien. On va vite fait checker hein, qu'il reste rien. Tout ce qu'il faut pour craft, il me faut juste l'or. Comme je disais, pour payer l'artisan et. Pour payer le reste, ça tombe bien, j'ai plein d'objets de valeur sur moi, comme je dis, j'ai trouvé dans les spectres et tout, juste avant. Ça va pas trop un problème. Bon alors c'est un pauvre loup-garou quand même, ce Hubert, hein, parce que lui et sa femme loup-garou, expulsés de chez eux, envie de planter les coups dans... Enfin, bref. Des loups près d'une grotte, des loups dans une grotte comme ça, c'est du loup-garou tout craché. On finit par avoir le feeling, un peu comme avec la forge magie. On finit par savoir ce qu'on va trouver dans les grottes. Aïe, aïe. Bref, direction... L'armurier qui se trouve ici, et on va lui faire faire l'armure du chat. L'armure que je voulais depuis un moment. L'armure donc du chat qui, contrairement à l'armure de la vipère, n'est pas basée sur la protection par rapport au venin. Le pilori attendent les émeutiers. Notre duché
apprécie la elle est basée sur les dommages. C'est tous les items qui te donnent des dommages en plus. Dommages purs, hein. Genre vraiment ça t'augmente tes dommages point barre. Faites pas chier, je vais vous tuer après. Voilà. Bonjour le Farg. Bonjour. Farg. Oui. C'est moi qui me fabrique quelque chose. L'artisanat. Alors normalement j'ai tout. Alors il me manque une plaque. Donc il faut lui vendre assez. Il vend pour 4700 juste pour la plaque déjà. Ça tombe bien, il a 24000 lui sur lui. Donc même. C'est par lui vendre tout ça. Oui, largement. Ça aussi. Donc on vend pas l'armure verte puisque c'est celle que je vais utiliser pour craft l'autre évidemment. On vend pas les épées orange, donc enfin orange doré là non plus, j'en ai besoin. Alors je pourrais améliorer ensuite hein, cette armure, je pourrais l'enchanter, je pourrais lui donner des bonus et tout, mais ça prend du temps pour pas grand chose. J'ai, comme je disais juste avant, j'ai plus rien à combattre, j'ai fait toutes les grosses quêtes et tout. Pas de matériel raffiné évidemment, ça, les foies de monstres surtout pas. On a déjà 5000, on va continuer un peu. Zana. Il va falloir encore payer autre chose, il va falloir payer. Mettre. Payer 4115 pour le craft. 4115 que j'aurais pu ne pas perdre contre les gardes en jouant au con le long du jeu, mais c'est pas grave. On va vendre les sports de monstres. On va vendre tout ça aussi. Hein. Et largement 4115, ne vous inquiétez pas. Quoique. Ah ah! 350, 870. Moi ce qu'il faut c'est du cuir draconite traité, hein, pas de la poudre si les a imprégnés. Non. Qu'est-ce que je peux lui vendre monsieur vraiment là hein. Ne nous trompons pas parce que racheter serait très cher. Bam. La voilà. La voilà l'armure complète du chat de grand maître. Bien entendu. Au revoir. Bonne chance. C'est juste terrible. C'est terrible. On va l'équiper direct. Hein. Voilà, on a remplacé Vipère par Grand Maître Chat. Oh là là. Il ressemble à... Oups. Le pantalon là. Il ressemble à absolument pas du tout ce que j'ai l'habitude de jouer quoi. Bon ça lui va pas si mal. Ah Gérald, vous avez la classe. Bon, le bleu c'est pas ma couleur préférée, mais Du calme. On va pas se cacher qu'elle fait vraiment beau hein. Oh, non. Ah, il vient de battre. Oh, non. Ah, attends, juste hein. Voir. Donc avec cette épée là, j'avais 2990 de DPS et 1700. Alors c'est 2990 et 1751. Et donc avec l'armure basée de dégâts, je me retrouve à oh my god, j'ai gagné 600 DPS. Elle est pas en argent, 2050 elle est pas en acier. Mon épée en acier est pas très haut level mais elle a un effet très efficace en fait. Et du coup... Waouh, wait. Du coup si je bois... Voilà la potion de tonnerre donc qui augmente mes dégâts. Voilà un bon gars. Oh non. Je vais te planter. Ils vont se battre hein, ils vont se battre, ça y est. 2300, oh les gars. Si j'étais vous... 66, eh ben il est lent. Ne le laissez pas profiter. MDR. Ça fait mal, hein. J'en sais rien, je peux même te montrer d'ailleurs. Oh là là. Oh 4078 à l'attaque rapide et forte en même temps. Quand même ta fête.
N'importe quoi. J'ai failli louper ma potion dedans. C'est joli cette terre. Voilà, voilà, je le disais, j'ai atteint un niveau bien trop haut sur ce jeu, il est temps de recommencer du début, hein, beaucoup trop haut, beaucoup trop haut, à plus sur Twitch Gaming, MDR.